Journée. Et puis, on passe au tennis avec d'abord l'exploit de Kristina Mladenovic à Dubaï. La Française sort la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka, au deuxième tour. Alizé Cornet et Caroline Garcia, elles, sont éliminées. Pendant ce temps, l'Open 13 à Marseille. Benoît Paire affronte David Goffin aujourd'hui en huitième de finale. Hugo Humbert, lui, est contre le Letton Gulbis. C'est fini en revanche pour Joe Wilfried Tsonga, pour Jérémy Chardy et pour Constant Lestienne. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, on va se mettre en jambes dimanche, c'est le trail de Lavaux-Sainte-Anne et des Gorges du Cher, 11e édition, beaucoup de monde attendu et beaucoup de monde pour en parler ce matin. À notre micro, la présidente d'ADEL, association organisatrice, Angélique Tricky, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Paul Meyer, bonjour. Bonjour. De la retraite sportive qui organisera la randonnée nocturne, on va en parler, ça c'est vraiment la mise en bouche pour le samedi soir. Le vice-président en charge des sports à Montluçon Communauté, Patrick Maire, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également. Et puis Cédric Chartier, responsable de course, bonjour. Bonjour. Pour les services de la communauté d'agglomération. On va peut-être commencer par là d'ailleurs. La nouveauté, c'est que l'organisateur historique qui a mis sur pied cette épreuve avait décidé de prendre du recul. Il l'avait annoncé évidemment. Et donc Montluçon Communauté s'implique un petit peu dans l'organisation. Patrick Maire, on en avait déjà parlé à ce micro, mais il vous semblait important, vu véritablement la renommée de cette course, que la collectivité s'investisse. Bah écoutez, c'était évident pour nous qu'il était impossible de laisser péricliter une telle épreuve, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Plan sportif, c'est vrai qu'on a des concurrents qui viennent de pratiquement toute la France. On a habituellement une cinquantaine de départements représentés parmi les concurrents. Et puis après, le côté humain, c'était vraiment un projet commun porté par les habitants de 5 communes, hein. Donc je pense qu'on les a déjà cités, mais Lavaux-Sainte-Anne, Villebray, Saint-Genès, Sainte-Thérence et Lignerolles. Et ça aurait été là aussi dommage de couper ces liens qui, maintenant, sont tous réunis au sein de Montluçon Communauté. Effectivement, du côté d'ADEL, l'association, donc, comment ça s'est passé la mise en œuvre avec donc Montluçon Communauté qui s'implique dans l'organisation ? Qui fait quoi, en fait, concrètement ? Eh bien, nous, si vous voulez, il fallait qu'on ait un soutien au niveau technique parce que on a l'habitude d'organiser des événements, mais des événements sportifs comme celui-ci, il nous fallait vraiment des personnes quasi professionnelles dans le monde du sport qui savent monter des dossiers assez importants et qui connaissent tout l'aspect technique et sécuritaire. Donc, on a partagé les tâches comme ça. Adèle s'occupe du point animation, un peu comme le village du trail, tout ce qui se passe à la salle des fêtes. Et l'aglo, donc Cédric, s'occupe de la partie sportive et technique, il en parlera mieux que moi. Alors justement, est-ce que ceux qui ont participé les années précédentes, qui se disent « Ah, bah, ça a changé un peu d'organisateur », est-ce que ça va changer fondamentalement les choses ? Non ? Fondamentalement, non. On a fait un mixte entre le parcours de 2017 et 2018, donc les trailers ne seront pas perturbés. On a gardé les difficultés, avec toujours 750 mètres de dénivelé positif sur le 15 km, et 1000 mètres de dénivelé positif toujours sur le 25 km. Et comme vous l'aviez dit aussi, on a une petite course pour les enfants où les parents peuvent accompagner de 1 km. Et le 8 km, c'est un petit trail, enfin je dis petit, il reprend la moitié du parcours du 15 quand même. Et donc il est quand même assez technique, mais c'est une façon de commencer à faire du trail. Ouais, bien sûr. On va rappeler que c'est dimanche, les premiers départs ont lieu à 8h15 pour le 25 km. Et déjà, on va être pratique sur les inscriptions, comment ça se passe. Il y a un site internet, on va partager le lien, mais pas que. Le site Click & Go, ou aller sur le site de Lavaux-Sainte-Anne et sur un moteur de recherche, taper 11e trail de Lavaux-Sainte-Anne et il y a les inscriptions en ligne. Alors que les amateurs de trail se rassurent, donc ça sera toujours aussi dur. Ça sera toujours aussi dur, oui, toujours aussi dur. Mais cette année, on a la météo avec nous. Donc, on attend, on pense atteindre les 500 inscriptions. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. On va aussi reprendre le fil conducteur avec pour lancer ce trail de Lavaux-Sainte-Anne le samedi. C'est là qu'intervient Jean-Paul Meyer, donc, pour la retraite sportive. Cette fameuse randonnée nocturne, c'est un classique, c'est la mise en bouche, c'est le tour de chauffe, quoi. Absolument, donc ça commence à être un classique puisque nous en sommes à la 7e édition et donc nous empruntons une bonne partie, partiellement, le parcours du trail et
Donc les rives du bord du Cher qui sont superbes, et puis en plus avec un esprit particulier de nuit. Ouais. Alors il faut venir avec quoi? Il faut venir avec la frontale du coup? Comment ça se passe? Alors vous pouvez venir avec une frontale, c'est pas une obligation, puisque je pense que si on est 80 ou 100, on n'a pas obligatoirement besoin de 100 frontales, ça n'apportera rien. Ça va perturber. Ça va être perturbant plutôt qu'autre chose, oui. Ceux qui souhaitent venir avec une frontale, pas de souci. Moi, ce que je recommanderais surtout, c'est qu'ils soient correctement chaussés. Bon, je ne dis pas ça par hasard. Ça veut dire que certains viennent avec les claquettes presque, c'est un peu ça. Quasiment, sauf qu'il fait un peu frais pour les claquettes. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors on va donner tout simplement déjà l'horaire, hein, départ en groupe à 18h précises. 18h précises et possibilité d'inscription à partir de 17h sur place. Alors on a toujours polyvalente, hein, de là. Oui, oui. On a une possibilité de réserver auparavant, mais bon, c'est pas une obligation du tout. Alors donc il y aura deux circuits proposés. Oui. Pour permettre à tout le monde vraiment de venir, les un peu plus entraînés, et puis ceux qui vraiment marchent. Voilà. Alors celui qui a quand même le plus de caractère, c'est évidemment le plus long. Donc on a marqué, il fait entre 9 et 10 km. C'est celui qui va emprunter les bords du Cher et qui va monter sur la commune du Petit Cougour au travers de chemins quand même assez sympathiques, surtout la nuit. Ouais, c'est vrai que ça change un petit peu l'atmosphère. Complètement. On n'a pas peur, hein. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. 9 km donc, et puis 6 km un peu plus facile. Oui. Donc ça, c'est le samedi soir. Ça se passe à partir de 18h pour les départs, donc, et inscription à partir de 17h à la salle polyvalente. Juste un petit mot. Oui. Droit d'inscription 1 €, qui donne droit à une soupe qui est servie par les bénévoles d'Adèle à la fin. Alors c'est important là, sur cet aspect-là, l'association Adèle, Angélique notamment, sur l'aspect convivialité, vous travaillez beaucoup là-dessus et c'est ce qui fait aussi le charme de ce trail. On travaille pas, c'est naturel. C'est vrai. À la Haute-Sainte-Anne, la convivialité c'est toujours, est toujours présente. Le trail depuis des années, ça s'est déroulé de cette façon, on a gardé les choses qui fonctionnent très bien et ça fonctionne très bien. C'est sympa toujours de se retrouver après avec un plat chaud, une soupe pour la randonnée, une truffade le lendemain, c'est un plaisir. Bien sûr, vous avez un certain savoir-faire au sein de l'association là-dessus. Oui, bien sûr, puisqu'on organise plusieurs événements tels que le festival de jazz, une brocante, on participe grandement au marché de Noël. Donc effectivement, on aime la convivialité et on aime se rassembler à Lavaux. Pour le repas d'après-course, il faut réserver avant? Comment ça se passe? Il faut réserver, mais on a toujours une petite marge, on ne va pas laisser les gens sans manger. Donc effectivement, c'est une truffade préparée par le traiteur de Sauve comme depuis des années. On peut réserver encore aujourd'hui et puis comme je vous dis, même au dernier moment, il y aura toujours une petite place. Bon, il nous reste quelques minutes pour parler de l'aspect plus sportif. Je vais à nouveau me tourner vers Cédric Chartier. Donc, vous le disiez, mix en fait des parcours de 2017-2018, c'est-à-dire qu'on essaie quand même d'une année à l'autre de faire varier un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Et comme pour ma part, enfin je dis ma part, mais c'est le service des sports de la ville de Montluçon, on a essayé de ne pas trop changer. C'était la première année où on reprenait le trail. Donc, on est resté sur 2017-2018. On passe vers tout en bas du château de Gouttières. Et donc, comme disait Patrick Maire, on est sur 5 communes. Donc, ce sera toujours sur ces 5 communes-là. Hein. Et par contre, en nouveauté, on va passer sur la nouvelle passerelle qui a été posé à Sainte-Thérèse. Tout frais donc. En début de semaine, là, oui. On a mis les moyens, hélicoptère. Hélico, ça rigole plus le trail de la Haute-Sainte-Anne. Donc l'autorisation, voilà. Enfin, monsieur Maire peut-être nous confirmer. Mais, il était présent cette semaine d'ailleurs, il a vu l'hélico. Oui. Là pour le coup, ça va être une inauguration en grande pompe, quoi. C'est pas franchement l'inauguration. C'est pas une inauguration, mais. Mais bon, disons que c'est un petit plus, et puis c'est un clin d'œil au fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un projet qui est porté par plusieurs communes, par Montluçon Communauté. Et là, il y a un lien fort. La passerelle est à cheval. En fait, on rentrera sur la passerelle sur la commune de Sainte-Thérèse et en sortant, on est sur la commune de Saint-Genès. Donc voilà, c'est quand même un symbole fort et ça me semblait sympa. On a fait tout ce qu'on a pu pour qu'elle soit posée avant le trail pour qu'on puisse l'utiliser. C'est vrai. Au cas où on aurait des avis négatifs des commissions de sécurité, bien on fera comme d'habitude, ils passeront juste à côté. Mais on espère quand même pouvoir passer dessus. Le symbole serait très fort. Voilà les coureurs passeront qu'une fois dans l'eau en fait.
au lieu de deux. Au lieu de deux, effectivement. Alors, c'est pas très profond, mais effectivement, ça peut un peu mouiller les pieds. Bon. C'est pas hyper agréable, mais bon, pour les gens qui s'engagent sur le 25 et sur le 15, notamment le 25 km, vous le disiez, 1000 mètres de dénivelé, qu'on donne voilà, une idée comme ça, 1000 mètres de dénivelé, c'est à peu près la montée de l'Alpe d'Huez. Quoi. En gros, c'est, je crois que c'est 1100 mètres, quelque chose comme ça. Donc, on est. Voilà, ça donne ça, un peu le. Ça, ouais, ouais, ouais. C'est plusieurs côtes, assez technique. Ça fait que monter et descendre, en fait. Ça fait que monter et descendre, oui. Il y a un petit tronçon où ça va être un petit peu roulant, mais pas très longtemps. Pas très longtemps. De toute façon, les gens qui viennent sont, voilà, savent dans quoi ils mettent les pieds. Ouais, ils recherchent les difficultés, comme ça. Oui. Avec souvent, pour en avoir interrogé certains qui viennent d'ailleurs d'assez loin, là, sur les précédentes éditions, ils disent que c'est un des plus durs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Clairement, ça, c'est... Ça doit vous faire plaisir de vous dire, ouais, quand même, là, on leur en fait baver un peu. oui, ce trail est très reconnu partout, tous les aficionados, un peu, mais on a voulu garder quand même l'esprit que Jean-Luc a insufflé depuis toutes ces années, c'est de garder l'effort et la convivialité. Et je vais dire l'effort et le dépassement, parce qu'il y a des endroits, il faut y aller, faut pas avoir peur, faut se lancer, faut bien accrocher, et tout va bien. Ah, avec souvent plus de difficultés d'ailleurs pour certains dans les descentes, que dans les montées, parce que c'est assez technique, un peu en dévers. Voilà. Là, il y aura la section montagne de la retraite sportive qui, d'Amitié Nature, qui vont installer des cordes au rocher de la Buse. Il y a aussi un autre petit goulet au-dessus de Lignerolles. Donc là, on va sécuriser un petit peu plus. Et en quelques chiffres, il y a 90 signaleurs sur les parcours, hein, sur les différents parcours. Il y a 18 secouristes, un médecin, 3 ambulances. C'est une belle machine, hein, quand même. Effectivement, il faut qu'on se rende compte que c'est pas évident à organiser. On rappelle donc ce trail de Lavaux Sainte-Anne avec la rando nocturne le samedi à partir de 18h pour le départ à la salle polyvalente de Lavaux. Les premiers départs à 8h15. Dimanche à Lavaux Sainte-Anne également, 25 km, 15 km, un parcours découvert de 8 km et puis un kids trail avec 1 km. Au niveau de la météo, il fait toujours beau à Lavaux Sainte-Anne, Angélique? Il fait toujours beau à Lavaux Sainte-Anne et en plus là, la semaine promet un beau week-end. Et puis pour Patrick Maire, une très belle mise en valeur, parce qu'il y a aussi des nuitées d'hôtel pour des gens qui viennent faire la course pour Montluçon Communauté. Forcément, c'est, si vous voulez, le dernier aspect de l'intérêt de Montluçon Communauté pour ça, c'est le développement économique, et notamment le développement touristique, parce que les gens qui viennent pour concourir reviennent aussi pour visiter. On a même des gens qui se sont installés, qui ont acheté des maisons, qui ont construit sur les communes traversées. Donc vous voyez que l'intérêt, il est multiple. Et on suivra ça évidemment dimanche. Bon trail à vous tous. Merci. Chacun dans vos fonctions différentes évidemment. Et puis on suivra ça dans le Café des Sports et également via notre site internet. Et puis lundi matin dans les infos. Merci à tous. Bon trail. 7h57. On va prendre un petit déj avant le trail. L'invité du jour. Soyez informés des toutes dernières informations près de chez vous. La rédaction RJFM se mobilise toute la journée et vous tient informés de l'actualité.